Salut tout le monde, c'est Dantos et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur le serveur 9P. Alors aujourd'hui je suis tout seul, comme vous pouvez le voir sur le serveur. Et j'ai décidé d'aller emmerder un petit peu mes compagnons. Donc j'ai pas pu prévoir pour tout le monde, donc je vais me contenter de Orwan et Klemklem en faisant passer la blague pour JC. Enfin de la part de JC. Il me faudrait peut-être juste des pancartes. Alors attendez, je vais chercher mes pancartes. Bon, c'est pas un truc extra extra, hein. J'ai fait avec ce que je pouvais vu que... Récupérer certains matériaux sont un petit peu chiants. Non. Alors j'ai cru entendre un zombie hurler ou... Je sais pas trop quoi. C'était très étrange. Je suis pas habitué à entendre ces cris comme ça. Non, je crois que c'est un Enderman. Bon, je sais plus. On s'en tape. Alors, ah bah si, il est là. Oh, dégage de chez moi, toi. Alors, on va pas faire des trucs hyper... Hyper chiant à enlever non plus, un minimum de respect quand même pour mes camarades. Donc on va commencer par la maison d'Orwan qu'on va recouvrir de terre et on va faire un petit labyrinthe en bois de bouleau. Enfin, en porte de bouleau dans sa maison. J'aimerais bien vous essayer de vous filmer sa réaction, mais je sais pas si je serai là quand il se reconnectera. Donc si j'arrive à avoir la réaction, bah tant mieux. Si j'arrive pas à l'avoir, vous l'aurez. On en parlera sûrement dans la prochaine vidéo qu'il fera. Je pense pas que ça passera inaperçu. Je vais juste prendre des screens après quand même pour que tout le monde puisse le voir. Dans les portes, on le fera après. Allez, c'est parti. Alors, la maison Orwan, c'est la maison en boulot là-bas. On va commencer par la recouvrir de terre. Alors. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me faire défoncer après. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est fun. Alors attendez, ça peut être pratique. Voilà. Bon, j'ai niqué une source d'eau. C'est pas grave. Bon, évidemment, je l'aiderai à... Enfin, je réparerai moi-même toutes les bêtises que je fais. Hein. C'est la moindre des choses quand même. Déjà que je vais les faire chier avec ça. Hop. Est-ce que j'aurai assez de blocs? C'est tout ça la question. Je recouvre grossièrement les vitres, par exemple, je vais les laisser quand même. Et j'ai pas envie de casser les fleurs qu'il a placées non plus, sinon... Un minimum de déco, puisqu'après si j'oublie de lui rendre, c'est un petit peu chiant. Bon après je pense qu'il s'en fout un petit peu des fleurs, mais... Dans le doute. Non, toi tu reviens. Hop, allez. Donc je rappelle que l'IP du serveur est pour l'instant privée. Donc ça sert à rien de me la demander. Je sais que ça vous ferait plaisir. Mais c'est Orwan qui décidera quand est-ce qu'on ouvrira le serveur aux abonnés. On a commencé un petit peu à en discuter, tout ça. Si vous avez suivi les vidéos sur sa chaîne, je vous invite... Enfin, si vous n'avez pas suivi les vidéos sur sa chaîne, je vous invite à les yoter pour avoir un peu plus de nouveautés par rapport à ça. Vous avez peut-être entendu une porte claquer. C'est mes voisins qui ont décidé de faire du bruit pendant que je tourne. Je m'excuse d'avance pour la gêne occasionnée. Bon, comment je vais m'organiser pour aller là-haut? Bouge. J'aurais peut-être dû commencer par le haut, en fait. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Une belle maison caca. Voilà. Le balcon, on fera après. Hop. Bon, bah maintenant que je suis en bas, on va faire le balcon maintenant. Ouais, non, là, c'est pas nécessaire. Enfin, je pense. Là, oui. Non, on va peut-être pas non plus péter l'intérieur de sa maison comme ça. On va ressortir. Là, je galère un petit peu, hein. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de conneries. Hop, 3 genoux en moins minimum. Voilà, ça c'est pas trop mal.
Voilà. On regardera après de loin qu'est-ce que comment ça rend. Moche, hein, c'est de la terre après tout. Pas non plus niquer ses cultures. Ça avance plutôt bien. Je suis assez fier de mes conneries, je vous avoue. J'aurais bien aimé faire pire, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et je me suis dit que mettre de la lave, c'était un petit peu excessif. Donc, on va peut-être éviter quand même. Le but est quand même de laisser la maison intacte. Parce qu'on galère déjà assez à récupérer des ressources, des fois. Si c'est pour en plus recommencer, parce que j'ai décidé de faire des conneries, c'est pas forcément bien. Hop, on bouche ici. Là, on va regarder de loin comment ça rend pour l'instant. Ouais, ça rend moche. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, j'ai oublié un bloc. Voilà. Attendez. Ça m'a l'air bon. De toute façon, si j'oublie quelques blocs, c'est pas très très grave non plus, hein. C'est tout pour l'aspect extérieur. J'espère juste qu'il ne va pas se connecter pendant que je suis en train de faire mes conneries. Là, j'ai profité de cet instant parce que je sais qu'il est parti, qu'il est pas chez lui, mais il pourrait revenir à tout moment. Et ça pourrait niquer la connerie que je veux faire. On va mettre les portes. Alors attendez, comment on va procéder? Tout comme ça, voilà. Pose un peu au pif. On va pas lui voler ses coffres, pas encore. Hein. Un jour peut-être. Ouais, voilà, ça sent pas trop 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 mal. Alors pourquoi du bois de bouleau? Parce que je suis allé dans la forêt où il y avait plein de bouleaux, tout simplement. Et je me suis dit que ce serait plus simple de faire ça comme ça. Puis comme ça, s'ils ont besoin de portes, bah maintenant ils sauront où trouver. Hein. Ils iront chez Orwan. Il va leur fournir des portes à volonté. Ah, j'espère que j'ai pas niqué son point de spawn. Voilà. Je vérifie si j'ai pas oublié quelques endroits. Attention à pas bugger non plus. Non, je ne veux pas fouiller ces coffres, j'en ai pas besoin. Alors, la sortie, c'est par là. Est-ce que je pourrais pas rajouter quelques... C'est bien des plaques de pression? Oui. Non, non. Je voulais rajouter des plaques de pression pour que ça fasse du bruit quand il marche, tout ça, mais... Je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà. Déjà rien que ça va lui casser les couilles, je pense. Attendez, j'ai pas fait le balcon. J'ai oublié. Bon, c'est pas excessif non plus de se retrouver, hein, vous voyez. Bah oui, c'est vrai. Bon, bah c'est bon alors. La maison d'Orwan, c'est fait. Il reste plus qu'à mettre le petit panneau pour dire que c'est JC qui a fait la petite blagounette. J'aurais pu mettre de l'obsidienne aussi, mais... Je pense que là, ça aurait déjà un peu plus gueulé. Hop, un panneau juste là. Marqué Vengeance. JC. Voilà. Merde, il commence déjà à faire nuit. Je vais aller dormir. Pour travailler comme ça, c'est mieux quand il fait jour. Et là, on va aller s'attaquer à la maison à Clem. Par contre, je sais très bien qu'en faisant ça chez Clem, je vais me prendre des représailles. C'est obligatoire. Commence à le connaître, le bougre. Hein. Hop, on va peut-être manger un petit peu aussi.
Allez, on passe la nuit. Alors. Chez Clem, ça va être un petit peu moins excessif. Hein. On va juste mettre masse de poulet pour l'instant. Après, si je trouve une autre idée à rajouter, j'en profiterai peut-être aussi. Je vais déposer ça. Allons chez Clem. C'est ici chez Clem, il me semble. Voilà, on va faire ça ici. Oups. 2 secondes, là, je vais juste réparer ces tableaux. Parce que je pense... Ça va le faire chier par contre. Je pourrais peut-être pas exactement remettre les mêmes tableaux, mais ça c'est pas grave. Pire, je me casserai le cul pendant 20 minutes après. Une fois que la blague sera terminée. Voilà. Merde, j'en ai un en trop. J'en ai un en trop, attendez. Voilà. Parfait. Récupérer ça, on va ouvrir ici. Merde! Voilà. Vais laisser fermer. C'est pas grave si ça meurt, hein. Enfin, si ça prend des dégâts. Puis au moins ça lui fera un stock de bouffe, il sera content, je pense. Parce que j'ai pas fini après ça, je pense que je vais. Ouais, je vais peut-être attendre qu'il grandisse. Puis je vais les faire se reproduire. Ça semble pas trop trop mal. Hop. Putain, tous les poulets. Avoir. Ça met combien de temps à grandir un poulet? Je crois qu'il va falloir que j'attende un petit peu. Voilà. Attendez, on va prendre l'épée. Il y a 6 poulets. On va aller chercher du rab. Coucou. Hop, voilà, ça me semble pas trop trop mal tout ça. On récupère cela. Il me reste juste une chose à aller chercher. Hop, 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 hop. C'est par là. On va aller chez Tutu lui taxer des graines pour faire reproduire les poulets. Et on va regarder en même temps s'il y a des œufs chez elle. Et s'il y a des œufs, on va lui emprunter également. On lui rendra également. Enfin, je lui rendrai plus tard, mais pour le peu que les œufs nous servent, de toute façon. Hop là, coucou toi. Un petit peu d'œufs, ouais. Il y a des graines. On prend. On repart. Je vais pas dans la maison parce que je sais très bien que tout ce qui est animaux comme ça, c'est à l'extérieur, de toute façon. Alors, faudrait que je réfléchisse à d'autres blagues à faire pour les autres. Ah, par contre, pour la blague chez Clem, on va remarquer que c'est Orwan qui l'a fait, et pas JC. Ça va faire suspect que ce soit JC qui fasse toutes les blagues. On va mettre triple, je sais pas.
On va mettre triple, allez. On va faire croire qu'ils étaient de mèche tous les deux. Allez. Courage, mes petits. Ils peuvent pas déjà se reproduire, hein. On est d'accord. Je suis censé attendre qu'ils grandissent. Parce que je crois qu'ils sont un petit peu buggés ceux-là. Si je donne un petit coup dans la masse là. Attendez. On va voir si ça va les débloquer un petit peu. Voilà. Effectivement, ça les a un petit peu débloqués. Mais je dis vraiment un petit peu, hein, parce que... Et reviens! Mais comment t'as fait pour t'échapper? Meurs! Bon, je sais pas combien il y en a. Et je vous avoue que ça m'importe peu, de toute façon c'est juste histoire de faire une petite blague. On va aller poser le panneau. Ici, c'est pas mal. Bonne app. Signé triple. Merde. Voilà. Je vais pas mettre un trop long message, sinon ils vont se douter que. Ils vont se douter de la personne. Là, on va attendre. Non, ça copule pas. Ça les fait pas grandir plus vite de les nourrir. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a niqué quasiment un stack. On va aller voir s'il n'y a pas encore d'autres poupoules. De toute façon, là, c'est juste une vidéo troll, les amis. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour les prochains trolls que je pourrais leur faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Oh oh. Oh oh. Il y a Triple qui vient de rejoindre. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cette petite blague. Parce que s'il est là et qu'il me surprend, ça ne va pas le faire. Donc, je vais aller changer le nom de la personne qui a fait la blague. Et on se retrouvera plus tard. Allez, ciao tout le monde, bye! Salut tout le monde, bah je sais déjà que ça va faire deux fois que je dis bonjour dans cette vidéo. Mais je fais ce passage de vidéo après avoir tourné la petite blagounette. Là, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a Triple qui s'est connecté juste après. Et j'ai coupé la vidéo un peu précipitamment parce que je ne savais pas trop comment faire. Donc je m'excuse d'avance de dire au revoir aussi rapidement. Pour l'instant, à l'heure actuelle, Orwan n'est pas encore rentré et je vous avoue que je ne sais pas si j'arriverai à recorder sa réaction. Parce qu'il faudrait d'abord que je réussisse à l'avoir en vocal et ensuite qu'il se connecte sur le serveur pendant que je suis en train de recorder pour pouvoir savoir ça. À la limite, j'essaie de le bannir du serveur, je sais pas trop, et j'attendrai qu'il m'envoie un message pour me dire qu'il se connecte. Et j'ai dit, bah attends, je te débanne, mais ça ferait suspect, donc je sais pas. Si vous voyez que la vidéo dépasse, fait environ 20 minutes, c'est que j'ai pas réussi, je pense, à avoir sa réaction. Et donc dans ce cas-là, faudra qu'on en parle dans une de ses prochaines vidéos ou même sur ma chaîne, je sais pas trop. Je pense qu'on en parlera sur les deux. Et si vous voyez que la vidéo fait 25, 30 minutes, c'est que j'ai réussi. Pour l'instant, je sais pas, je vais attendre jusqu'à ce soir pour faire le montage de la vidéo et on saura ça. Allez, bye tout le monde. Re les amis, donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai réussi à avoir Orwan sur Skype. Coucou Orwan. Coucou. Avant qu'il se connecte pour voir ce que j'ai fait. Et il va faire nuit. Donc Orwan, tu peux te connecter. J'arrive. Je charge. J'ai l'accueil Mojang. D'accord. Après, ça va... Attends, ça va me laisser le temps d'aller dormir parce qu'il va faire nuit. Donc ce n'est pas drôle. Donc je t'invite à attendre sur le menu principal. Vas-y, vas-y. De toute façon, vu que j'ai pas une bête de guerre, il plante. Enfin, il répond pas. Et après, hop, il répond. Oui, ça me fait pareil. Alors, hop. Tu me dis quand tu veux que je me connecte. Alors, attends, je vais ressortir de chez moi. Donc, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, je tiens à signaler que les panneaux que j'avais mis, c'était juste pour la forme. Ça sent la bonne vanne. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui. Tu t'en doutes, voyons. Vas-y, tu peux te connecter. Tu sais qu'on m'appelle le dictateur, quand même. Oui, je sais. J'ai aussi dit que j'allais sûrement prendre plein de représailles dans la gueule après ça. Non. Où es-tu?
Alors, je suis au niveau Je te vois. de l'incinérateur, si je dis pas Je de bêtises. te vois. Là, je charge. Tiens, un œuf dans ta gueule. Coucou. Coucou. Ah ouais! Elle est belle ta maison. D'accord, donc en fait, t'as remplacé tout mon bois par de la bouse. Non, j'ai recouvert ton bois. Bon, ça c'est plus facile. C'est dommage, moi je t'aimais bien. Ok, le coup des portes, super, d'accord. Bon. T'inquiète pas, j'enlèverai tout, je prends l'entière responsabilité. Non, non, je vais le faire, t'inquiète pas. Tu me donnes des armes pour te pourrir, je vais les prendre. T'inquiète pas, je vais tout récupérer. Mais attends, ce n'est pas fini, parce qu'il n'y a pas eu que toi qui as été victime. Aïe, 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 comme... Mais ça va... Ah, mais même là! Ah ouais, d'accord. Eh, t'as poussé le vice, quoi. C'est-à-dire que même pour Bah. accéder à mon balcon, eh, je me suis auto-perdu dans ma chambre qui fait 8 mètres carrés. Attends. Bah, on peut dire que j'ai réussi mon coup au final, là. Ouais. Attends la conséquence de tels actes. Oui, bah, je me doute. Après, Où est-ce qu'elle est là? j'avais anticipé, au cas où tu te connecterais alors que je n'étais pas là, j'avais mis un petit panneau marqué que c'était de la part de JC. Juste au cas où. Mais tu n'as pas été le seul. Bon, les autres, c'est pas pire. L'autre, c'est Clément, donc je me suis dit, putain. Je vais sûrement prendre très très cher. Attends, parce que j'ai... Hop! Regarde, hop! Ah oui, mais quand tu es sur une vieille machine, il faut accepter. Ah non, je pense que c'est à cause de moi là. Il y a environ 258 poulets. Bon. Non mais tu sais qu'on va tous te pourrir, t'es au courant de ça. Bah quoi, je vous ai fait un stock de bouffe, je me suis cassé le cul avec les œufs moi pour les faire sortir les poules. Non mais t'es au courant que t'es un grand malade. C'est-à-dire que la vengeance va être horrible si tu te mets tous à dos du coup en même temps. Oui, mais à la différence, j'ai rien fait de chiant à enlever. J'ai juste mis de la bouse et des portes, ce qui est simple à enlever. Donc, interdiction de casser ma maison. Ouais. T'inquiète Voilà. pas, on est plus vicieux que ça. Bon, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire, parce qu'après, t'as triple qui s'est connecté pendant que j'étais en train de faire mes petits méfaits, donc Tes j'ai coupé bêtises. court. Ouais, par contre, triple a déjà tout vu, lui. Oui. Si, je Attends, t'assure. t'es en train de record là, on est d'accord. Oui. Donc message à ta communauté, il y aura vengeance. Il y aura la suite dans une de tes vidéos. Sinon, je me suis apprivoisé un poney. Allez, Et je l'ai cool. renommé. Tu l'as mis dans l'enclume. Non, j'avais réussi à choper un name tag et je l'ai renommé. Cheval. Chevalx. Ouais, Chevalx. D'accord, t'es un chevalx. Voilà. Bon, Ok. bah c'est tout. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire le ménage. Et j'espère que cette petite blagounette vous aura plu, les amis. Bon, comme vous vous en doutez, il y aura vengeance. Oui, non, ça c'est clair et net. Ah bah, de toute façon, je partais dans l'optique que vous alliez vous venger après. Surtout Oui. Clem. Oui. C'est pour ça que la bouse s'est retrouvée chez toi et pas chez Clem. Parce que je me suis dit D'accord. qu'avec Clem, ce serait pire. Parce que lui, le briquet, il connaît. Non, mais t'inquiète, je ne casserai rien. Je m'engage solennellement à ne rien casser de ta maison, mais à te la pourrir, mais... Ouais, du genre vraiment je vais galérer comme un porc pour réparer tout ça. Tu vas te faire du mal rien qu'à imaginer. Alors, dans ce cas-là, Juan, je t'invite le jour où vous décidiez de faire ça, d'essayer de le recorder pour votre chaîne de votre côté. Vas-y. Comme ça, les gens pourront voir comment vous êtes organisé pour faire toutes ces conneries. On le fera. Voilà, donc on vous donne pas de date précise, hein. Allez vous abonner à la chaîne de Ludobad pour voir ceci. Le jour où il sortira. En tout cas, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde. Ciao! Salut, salut.